Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un retour de brocante que j'ai effectué donc le dimanche dernier. Donc le problème c'est qu'il pleuvait, enfin il pleuvait, des petites gouttes en fait, ils n'avaient pas annoncé beau temps. Mais je me suis dit je vais quand même tester, je vais faire les brocantes et on verra bien, il n'y aura peut-être justement pas grand monde et je pourrais faire de bonnes affaires. Et bah justement ça a été le cas. Alors je vais déjà vous montrer ce que j'ai trouvé dans une première brocante, donc au premier stand. Donc quand je suis arrivée, alors j'ai trouvé le Roi Lion en Blu-ray, donc qui contient donc le Blu-ray et le DVD. Ensuite j'ai trouvé le coffret Cars de Blu-ray. Donc en fait vous avez le film Cars et après vous avez un autre petit dessin animé. Tourne Martins, La Rencontre. Donc je connais pas du tout, je suis pas spécialement fan de ce Disney. Voilà, je trouve que c'est vraiment pour les enfants, mais voilà, je voulais l'avoir pour ma collection. Ensuite j'ai trouvé, alors j'étais très contente, le chef-d'œuvre de Pinocchio du 70e anniversaire. Donc il y a 3 DVD, le film en Blu-ray, ensuite vous avez le disque 2 avec les bonus, et ensuite le disque 1 en DVD normal. Donc 3 DVD. Et en fait, ces 3 Blu-ray Disney, je les ai eus à 1€ chacun. Donc comment vous dire que j'ai pas hésité, donc j'ai pas de Blu-ray, enfin de lecteur Blu-ray je veux dire, mais voilà, pour 1€ j'allais pas dire non. Puis de sachant que de toute façon il y a les DVD, je les ai pris quoi. Ensuite en autre DVD dans un autre stand, j'ai trouvé le film Pompéi. Donc avec l'acteur qui joue dans Game of Thrones. J'adore les films à catastrophe. Et Pompéi, enfin j'aime bien l'histoire de Pompéi. Et il fallait absolument que je regarde le film. Donc en Blu-ray, alors lui par contre je l'ai eu à 1,50€. Tenez, donc là il y a le résumé. Il y a aussi l'acteur qui joue dans 24 heures chrono je crois. Qui joue le méchant. Et un autre acteur mais je me rappelle plus du tout. Je sais que je l'ai déjà vu dans d'autres films mais là pas moyen, j'arrive pas à me rappeler. Donc voilà, niveau DVD c'est tout ce que j'ai trouvé. Ce qui est déjà pas mal. Ensuite, j'ai trouvé, alors là on va aller un peu dans du Disney. Alors j'ai trouvé cette peluche Bourriquet. Bon, là j'avoue elle est sale, hein, mais bon en même temps il pleuvait et tout, donc c'était dans du carton et tout ça, donc il faut que je la passe à la machine. Mais voilà, pour 1€, enfin je suis fan de Bourriquet, même si j'aime pas spécialement Winnie l'ourson, il fallait que je la prenne quoi. Donc voilà, et comme vous pouvez le voir c'est une Disney. Voilà, sur la petite étiquette. Et donc voilà, c'est la seule peluche que j'ai trouvée. Ensuite, je suis tombée sur un stand. Genre, il devait être 17h. Oui, parce qu'en fait, j'ai fait les brocantes le matin. Et après, l'après-midi, finalement, vu que j'avais rien à faire, je me suis dit, je vais aller faire une brocante qui était à 20 minutes de chez moi. Donc, j'y suis allée et tout. Puis là, j'arrive, il y a une dame qui dépose un sac rempli de jeux, GameCube, oui. Puis bon, bah je me dis, ah bah tiens, je vais regarder, elle vient de les mettre. Je lui demande, je fais, vous les faites combien? Elle me fait, bah je sais pas, c'est ceux de ma fille, j'en sais rien, je sais pas si c'est coté. Elle me fait, je voulais faire 1€. Je fais quoi? Elle me fait, oui, je voulais faire 1€. Alors vous pensez, j'ai sauté sur l'occasion? Donc, vu que j'étais la première arrivée, j'avais le droit de choisir. Donc, j'ai trouvé un Mario Galaxy 2. Enfin, voilà, je suis fan des jeux Mario. Donc, vu que je l'avais pas en ma possession, bah... Enfin, il fallait que je l'aie, quoi. Puis pour 1€. Ensuite, bon, je suis pas spécialement fan Zelda. Mais je me suis dit, pour 1€, on va le prendre... Puis on verra ce que ça vaut. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment Zelda. Mais voilà, enfin...
Je testerai et je me ferai mon propre avis dessus. Ensuite, alors j'adore les jeux Lego. Et j'ai trouvé Pirates des Caraïbes. Donc je crois que c'est réuni les 4 films en même temps. Donc voilà, en Lego. Oups, la caméra a bougé, excusez-moi. J'ai pas l'habitude. Un autre jeu Lego, Batman. Alors, quand j'étais petite, je regardais beaucoup Batman. C'était mon dessin animé préféré qui passait sur la 3. Enfin, je sais pas si vous avez connu. Et donc voilà, je l'ai acheté bien évidemment. Ensuite, Harry Potter, en Lego toujours. Hein, on change pas une équipe qui gagne. Je crois que ça réunit les années. Ah oui, il y a écrit de 1 à 4 tout en haut, sur la droite. Et ensuite, j'ai trouvé Indiana Jones et le 2. Alors, le problème, c'est que je crois que dans le lot, il y en a un qui marche pas. Il me semble, je sais plus. Enfin, donc, enfin voilà. En gros, le lot, donc tout ça, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 DVD. Donc vous retenez, enfin 7 DVD, 7 jeux. Donc vous retenez bien, là, il y en a 7. Puis vu que j'ai la GameCube, mais j'ai qu'une manette, elle vendait les deux manettes, donc j'ai testé, ça marche. Donc les deux manettes et les 7 jeux, 6€. Et oui, 6€. Bon, sur les 7 jeux, il y en a 6 qui marchent sûr. Je les ai testés. Mais il y en a un, il me semble, qui marche pas. Enfin, il faudra que je revoie ça, mais dans tous les cas, même s'il marche pas, je m'en fous. Enfin, c'est une affaire, quoi. Donc voilà. Ensuite, bon, des trucs un peu plus... je sais pas si ça va vous intéresser, un peu plus fifi. J'ai acheté des perles. Voilà, en brocante. Alors oui, c'est pour faire des bracelets, mais pas des bracelets, enfin... Comme un peu, vous voyez, les bracelets brésiliens, genre ça forme des figures, pas les bracelets simples. Donc voilà, en fait, donc il y en a 6. J'ai payé tout 5€, alors pour vous ça fait peut-être cher, mais genre quand je vais à la Cultura ou quelque chose comme ça, j'en ai au moins pour 1,50€. Alors c'est que 50 centimes d'économie à chaque fois, mais c'est toujours 50 centimes. Et ensuite... Alors, déjà, j'ai acheté ce classeur Pokémon. Oui, on va finir par du Pokémon, hein, éventuellement. Donc, comme vous pouvez le voir, il est abîmé là. Donc, j'ai mis du scotch. Enfin, bon, elle me le revendait 20 centimes. Je me dis même, de toute façon, pour vendre en brocante et tout, je dis celui-là, il y a les pochettes dedans. Ça permet de protéger un minimum les cartes. Donc là, j'ai mis des cartes dedans pour protéger. Mais sinon, voilà, je les ai achetées à part. Donc, voilà les cartes que j'ai acheté. Je vous les montre vite fait. Alors oui, alors je suis fan d'Ectoplasma, Fantominus. En fait, c'est certains personnages, en fait. Je cherche pas à faire une collection appropriée. Enfin, du moins pas pour le moment. Donc, du coup, voilà. Je sais pas, pour l'instant, je les ai répartis comme ça, mais sinon, ça n'a aucune spéciale importance. Donc celui-ci, alors oui, c'est mon Pokémon préféré. Me demandez pas pourquoi, j'aime bien sa tête, donc voilà. Je sais que c'est un peu débile, mais voilà. Donc je fais une collection de toutes les évolutions de Evoli. Parce que quand j'étais petite, c'était mon Pokémon préféré, donc voilà. Ainsi que Kaninos également. Donc là, j'ai trouvé un Wailord. 10 centimes. Ah oui, donc toutes les cartes que vous voyez, j'en ai eu en tout pour 3€. Et encore, j'en ai d'autres, mais j'ai pas le temps de vous montrer. En fait, pour 3€, j'ai dû avoir 50 cartes. Donc voilà. Un Vécrom. Donc je vais essayer de vous le sortir. Je sais pas si vous voyez, ouais, je suis désolée, la caméra, enfin c'est un appareil photo un peu vieux, donc écoutez, je fais avec les moyens du bord. Voilà. Ténéfix, ah oui, j'adore ce Pokémon également. Mantali. Bon, les cartes sont abîmées, elles sont pas toutes neuves, en bon état. J'ai acheté aussi ces anciennes cartes.
Je me rappelle plus, je crois qu'on les... Enfin, je sais plus où est-ce qu'on les avait. Je me demande si c'était pas au début au McDo. Mais honnêtement, j'ai un gros doute. Donc, si vous savez, c'est moi un commentaire parce que je sais que j'avais ces cartes avant quand j'étais petite pour rien, mais j'arrive pas à me rappeler. Donc voilà. Écoutez, bah c'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé. Et dans ce cas-là, bah laissez-moi un commentaire ou un pouce vert. Voilà, ça me fera plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!